Il est 23h et en apparence, tout semble tranquille dans cette petite cité de la périphérie de Montpellier. Un calme trompeur. Car des policiers sont en planque dans des voitures banalisées. Ils ont ce bâtiment en ligne de mire depuis le début de la soirée. Dans quelques minutes, ils vont déclencher une vaste opération anti-drogue. 15 policiers de la brigade des stupes sont sur la piste d'un réseau international de dealers, à la recherche d'une énorme cargaison de cannabis, plusieurs centaines de kilos. Alors ce soir, les policiers des stupes vont employer les grands moyens. On va le faire correctement, tiens, je laisse... C'est tout l'immeuble qu'ils s'apprêtent à fouiller de fond en comble. 35 appartements qu'il va falloir perquisitionner, un à un. Chien renifleur de drogue, serrurier. Pour ce coup de filet exceptionnel, toute la brigade est mobilisée. Il y a une cave ou un autre appart ? Une deuxième équipe de policiers s'attaque au comble. Et une troisième passe toutes les caves au peigne fin. Vont-ils faire main basse sur la drogue ? Pas si sûr. Car elle appartient à de dangereux trafiquants que les policiers traquent sans répit depuis 3 mois. Une enquête à rebondissement que nous avons suivie jour après jour au cœur de la brigade des stupes. La traque commence en janvier dernier à l'hôtel de police de Montpellier. Au deuxième sous-sol ce matin, séance d'entraînement au tir pour la brigade des stupes. Coup de sifflet, une cartouche, je désarme. À sa tête, Christophe, un policier chevronné, 22 ans de service. Ce spécialiste du tir rapide a fait ses armes à la prestigieuse BRB, la brigade de répression du banditisme du 36 quai des Orfèvres à Paris. Vous ne verrez pas le visage de Christophe. Pour sa propre sécurité, il doit rester anonyme. Exceptionnellement, nous avons pu partager le quotidien de ce super flic, devenu la bête noire des gros trafiquants de drogue à Montpellier. Christophe et Thierry, son équipier depuis 5 ans, ont démantelé 8 réseaux sur la ville. Constamment à l'affût, ce matin, ils viennent de recevoir un nouveau tuyau sur une possible planque de trafiquants. Tu connais la route ? C'est l'ancien boulodrome de la SNCF. C'est derrière la piscine Tournesol. Un renseignement très précis qu'il faut exploiter sans attendre. 34 de TO810 et un ensemble des 810 en dispo sur le secteur Tournesol. Des gens de la SNCF qui sont allés sécuriser les locaux et quand ils sont arrivés, ils ont vu à l'intérieur d'un local donc, qui était fermé des plants de cannabis. Voilà, donc ils nous ont donné l'information et on va vérifier. Les limiers de la brigade des stupes s'attendent à découvrir quelques plants cultivés par un simple consommateur. Mais ils vont être surpris. La planque est idéalement située pas loin du centre-ville sur un terrain vague de la SNCF, tout près des voies de chemin de fer. C'est dans ce cabanon que les cheminots auraient aperçu du cannabis. Aujourd'hui, ce local, qui a l'air à l'abandon, est effectivement solidement verrouillé. Les policiers devront s'y reprendre à plusieurs reprises. Une fois à l'intérieur, ils ne vont pas être déçus. Une, deux, trois chambres pour la culture du cannabis. Ça sent, il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Ça, c'est la première chambre de poux. Voilà, et quand ça monte, ils changent, ils les mettent dans d'autres endroits. Des chambres de culture dotées d'un système d'aération très performant. Je pense que là, il y a un peu plus de 100 plants. Ouais, il y a à peu près une centaine de plants. Voilà, donc ça peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Les plants, avec le système à aide-pompe, etc., pour l'irrigation directe, des plants. Ensuite, il y a besoin de chaleur et de lumière, donc ça tourne en permanence. Ce sont des lampes super puissantes. Hein.
Bon, du coup, il faut quand même un système électrique assez sophistiqué, bien monté, pour pas que ça prenne le feu, etc. Et ensuite, il y a les aérations avec des filtres. En fait, ça repart sur les côtés. Hein, on voit les trois chambres sont reliées. Ça renvoie sauf petit filtre avant pour pas qu'il y ait l'odeur de cannabis qui s'étale de partout tout autour, pour rester discret. Quoi. Non, c'est bien monté, c'est bien fait. Hein. Des comme ça, on en fait, mais c'est quand même assez rare. Le réseau qui cultive ce cannabis semble bien organisé. Pour preuve, au départ, ce local n'avait pas d'électricité. Je ne sais pas où ils prennent l'électricité, mais ils y vont. Il est là, voilà, il passe ici. Tu prends des photos On prend des photos pour après les voir dans la procédure. Si on nous demande, on nous dit mais pourquoi vous êtes allé jusque là-bas, parce qu'en fait, on a suivi juste simplement le fil. À l'image d'un jeu de piste en forêt, Thierry se met à suivre le câble électrique. Après une vingtaine de mètres, apparaît une autre maison qui semble inhabitée. La brigade des stupes va y faire une drôle de découverte. Bonjour, police, s'il vous plaît, vous venez nous ouvrir. Vous ouvrez la grille. Viens, police. Okay. Allez, 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 tout de suite, suite oh. Pose ça, tu viens, 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 viens. Donne les clés. Pour faire croire que la maison est inoccupée, ses occupants s'étaient enfermés de l'extérieur. Ils ont tout fait pour ne pas attirer l'attention. Au total, les policiers vont déloger trois individus originaires des pays de l'Est. Les policiers sont à la recherche de tout indice qui confirmerait l'existence d'un réseau. C'est un vrai squat. Hein. C'est un local qui appartient à la SNCF hein, et qui est squatté, mais très bien squatté parce qu'ils ont tout, l'électricité apparemment. Tout est parfait. Ils étaient prêts à manger. Donc on va voir. On va voir un peu. Alors ça c'est sûr, déjà ils sont consommateurs. Hein. Et après ça on verra tout à l'heure, on va laisser travailler le... On va pas trop perturber tout, on va laisser travailler le chien, qui lui va nous dire s'il y a quelque chose ou pas. Alors, t'as des papiers ou pas? Moi, oui. Non. Il y a combien de temps que t'es là? Ici en France. Ouais. Depuis 9-10 ans. 9-10 ans. Et ta petite maison là-bas, il y a combien de temps que tu l'as montée? Je sais pas, moi, il y a 6-7 mois. 6-7 mois? Ça, t'as du matériel, t'as investi combien en argent maintenant? Regarde, c'est tout ça. J'ai... Ouais, franchement, les lampes, les trucs, c'est pas de la récupération. C'est au tour de Foul, la star de la brigade, d'entrer en action. Un chien renifleur capable de débusquer cocaïne, héroïne, cannabis. S'il y a un stock de drogue planqué dans la maison, il ne devrait pas lui échapper. Allez. Foul a fait mouche. Donc là, ça nous appelle. C'est de l'herbe. C'est pour ça que le chien s'est excité comme un fou, parce que l'odeur elle est quand même assez forte. C'est bien caractéristique. Voilà. Une première prise, et à quelques mètres de là, Foul récidive. C'est l'herbe, c'est cher, c'est ce qui se revint, c'est ce qui se fume. C'est bon à la consommation. Monsieur, c'est à vous ça? Le dealer doit être bien connu à Montpellier, car pour répondre à la demande, il a bricolé des plantations supplémentaires jusque dans les penderies. Voilà. Une chambre de plus, il a dû commencer petit, on va dire, il a dû revendre un peu, il a fait un peu d'argent, et avec l'argent, petit à petit, il a monté ses plantations un peu partout. C'est une belle affaire de cannabis. Je peux te faire tomber en trafic de stupéfiants, là? Non. Si? Ah, c'est moi qui te le dis. Ah, vous pouvez accuser, mais qu'est-ce qu'il dit le jour? Ça veut dire, oui, voilà, ça veut dire que 4 jours de garde à vue. Je passe plus ou moins en prison, monsieur. Comment? Je passe plus ou moins en prison. Où ça? Dans lequel de prison, t'as dit? Mais non. Toujours ici, dans le secteur, hein?
Villeneuve, Aix-en-Provence, Nîmes, Mende, Villefort, Paris. Et t'es tombé pour quoi? Pour vol. Vol? Les policiers sont bel et bien tombés sur un gros poisson. Celle-là? Tiens, petit pochon d'herbe dans son besoin. Pendant que la petite bande est interrogée dans la pièce d'à côté, les enquêteurs vont casser le matériel de culture, comme la loi l'exige. Là, je vais détruire le matériel qui permet de produire l'herbe. Donc, je vais casser les ampoules. Les policiers vont aussi faire une dernière découverte qui confirme l'existence d'un réseau bien structuré. Ils mettent la main sur une demi-douzaine de téléphones portables. Seuls les trafiquants en tout genre qui ne veulent pas qu'on identifie leurs appels et leurs revendeurs s'équipent d'autant de mobiles. Un signe qui ne trompe pas. Tiens, un autre. Aujourd'hui, Christophe fait main basse sur une centaine de plants de cannabis. Une belle prise. Et qui plus est, inattendu. Mais sur Montpellier, la brigade des stupes est habituée à beaucoup plus gros. Mais au prix d'investigations beaucoup plus risquées. La région connaît en effet une recrudescence du trafic de drogue. Alors les policiers doivent travailler sur deux fronts. Dans le centre-ville, pour lutter contre les petits dealers qui fourmillent au coin des rues. Et sur les grands axes, pour s'attaquer aux gros trafiquants qui remontent du Maroc via l'Espagne à destination de tout le sud de la France. Seulement voilà, après la frontière ibérique, Montpellier est la première grande ville sur la route du trafic. La métropole est devenue une plaque tournante des grands réseaux de drogue. Il y en a un sur lequel la brigade travaille depuis des semaines, une filière internationale de cannabis. Une enquête qui a commencé ici, dans un petit hôtel anodin, au bord de l'autoroute. Il y a quelques jours, Christophe et Thierry ont reçu un appel du directeur. Car une femme de ménage a fait une découverte surprenante dans la chambre 503. Cachée sous le matelas, pas moins de 11 téléphones portables. Si, voilà. Juste là, posé en dessous. Voilà. Donc, quand la femme de ménage est arrivée, elle a eu la surprise de les trouver. Voilà, au-dessus. D'accord. C'est quoi la première réaction quand on tombe là-dessus? C'est pas normal. C'est clair qu'il y a un truc qui n'est pas logique. On regarde, des téléphones a priori servent, donc sont en fonction. Pour les policiers, certainement un trafiquant est plutôt du genre gros bonnet. Dans les stupes, plus on a de portables, plus on a de contacts à dissimuler. Et plus le réseau est important. Alors, ils veulent tout de suite savoir à qui ils ont affaire. Et on va aller voir si c'est des caméras. On va aller voir si on peut avoir un peu d'image. Les véhicules, la tête des gens. Regarder, si, connaître un peu au niveau de la réception, s'ils l'ont déjà vu, si c'est la première fois. Photos, films, tout ce qui va pouvoir nous intéresser dans l'enquête. Les investigations commencent. Christophe et Thierry vont se concentrer sur les 11 mystérieux portables. Il faut les faire parler, c'est-à-dire décrypter les données stockées dans leur mémoire. Voilà. Des boîtiers. On a 3 modèles pour les 11 téléphones qui sont tous sensiblement identiques. On va les mettre en route. Et après, on va analyser le contenu du boîtier et le contenu de la puce. Les portables sont souvent à l'origine de très belles affaires de stupes. Voilà pourquoi la brigade de Christophe dispose d'un outil précieux. Une mallette bourrée d'électronique. À l'intérieur, des dizaines de branchements. Et surtout, un logiciel digne de James Bond. Il permet de décrypter tous les appels reçus et passés. C'est du matériel haut de gamme. Hein. C'est... Et quelques-uns ont bénéficié. Moi, j'en ai un dédié au niveau stup, puisque c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Il s'attaque au premier portable. Et en quelques secondes, le logiciel affiche toutes les communications conservées en mémoire. On a un journal d'appel du téléphone.
En fait, là, on s'aperçoit qu'il n'y a que trois interlocuteurs, que le téléphone, il a fonctionné que pendant 2 jours. 2 jours qui permettent déjà de recenser à gauche les numéros, à droite, la date et les heures des communications. Ou plus intéressant encore, au centre, les SMS échangés entre les utilisateurs. On a quelques SMS qui restent. Ce boîtier-là reçoit des appels d'un numéro espagnol. Et le SMS, voilà, envoie-moi le numéro de X, au cas où. Ensuite, c'est OK, j'ai ralenti. Après, c'est OK, c'est bon. Après, OK. Première information, ce sont des téléphones de travail qui ont été essentiellement utilisés par des automobilistes en train de conduire, et le plus souvent en Espagne. Christophe va tomber sur des SMS plus troublants encore. Ouais, là, ça devient intéressant. Faut que tu me laisses une voiture. Il y a combien tu as vérifié? Là, on parle de quoi? Ah ben là, c'est du produit. Pour moi, c'est du stup. Alors, après, sur quel produit on est? Est-ce qu'on est sur de la résine de cannabis? Est-ce qu'on est sur de la cocaïne ou... Bon, transitant par l'Espagne, il y a une plus forte probabilité que ce soit la résine de cannabis, mais ça peut aussi bien la cocaïne aussi, on en a. On a le numéro espagnol, le numéro marocain, le numéro français. Peut-être de grandes chances que ce soit parti du Maroc, l'Espagne et la France. Quoi. Au fil des minutes, les téléphones révèlent un réseau de transporteurs de drogue, particulièrement prudent. Pour communiquer, ils n'utilisent pas d'abonnement avec nom et adresse, mais des cartes prépayées et des recharges qui leur garantissent l'anonymat. En étudiant les SMS de plus près, Christophe découvre que les automobilistes roulent en cortège et chaque voiture a un rôle bien précis. C'est une voiture ouvreuse. Il y a de fortes probabilités que les téléphones, en fait, aient très peu d'interlocuteurs les uns avec les autres, un ou deux au maximum. Et celui-ci était utilisé par quelqu'un qui était sur la voiture ouvreuse. C'est un go-fast. Le go-fast, c'est une façon de transporter la drogue qui a explosé ces dernières années. Un convoi de 3 véhicules conduit à très grande vitesse sur autoroute. Le premier sert d'éclaireur pour repérer tout contrôle de police. C'est la voiture ouvreuse. Celui du milieu transporte la cargaison et un troisième ferme la marche pour protéger les arrières du convoi. La voiture qui transporte la cargaison est généralement chargée à bloc. Ces convois partent du Maroc, un des plus gros producteurs de cannabis. Les GoFast remontent ensuite à toute vitesse l'Espagne par les autoroutes et font étape à Montpellier, premier centre de livraison pour les grossistes de la région. Grâce au portable, Thierry et Christophe viennent de lever un très gros lièvre et ils vont dénicher une autre information qui va les mener encore plus loin. Les policiers ont de la chance, l'hôtel où ils ont trouvé les portables est sous vidéosurveillance. Ils pourraient donc identifier le propriétaire des 11 téléphones. Une caméra filme la réception, là où les clients prennent possession de la carte magnétique qui ouvre leur chambre. Une carte qui enregistre l'heure d'arrivée. Les policiers savent que le client de la chambre 503 a été enregistré à 17h02. Ils scrutent la vidéo dans ce laps de temps. Et voici le suspect numéro 1. Là, on a notre star, notre objectif. C'est la première fois qu'on arrive à mettre un visage. C'est sérieux, parce que là, il passe bien, il passe comme un bon touriste, la petite pochette, le sac à la main, le journal, propre sur lui. Bon, il attire pas forcément l'attention, quoi. Puis ils vont se concentrer sur une autre vidéo, celle du parking, pour repérer sa voiture qui a dû arriver quelques minutes auparavant. Ils recherchent une grosse cylindrée, immatriculée à l'étranger, comme c'est souvent le cas pour les GoFast. Regardez ça. Et bingo. C'est l'arrivée d'une Mercedes Classe R. Ça, c'est un véhicule R63 AMG, c'est hyper puissant. C'est suffisamment gros pour pouvoir mettre beaucoup de quantité de produits à l'intérieur. Vite surteinté à l'arrière, bah, pour ne pas voir hein, les ballots, etc., qui sont cachés. Donc ça, pour faire un GoFast, par exemple, c'est parfait. Le transport, c'est impeccable. Oh, regardez. Mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. S'ils ont bien affaire à un GoFast, ils devraient voir arriver un ou deux autres véhicules d'accompagnement. Alors, en visionnant les vidéos suivantes, ils voient débarquer sur le parking encore une voiture qui a le profil. Audi A3,
En S, là, en S, S3, je crois. Ouais. S3, ouais, c'est une S. C'est une voiture puissante, ça. Vu le gabarit de la voiture, ils mettent pas énormément de quantité à l'intérieur. Donc, dans le scénario, pour nous, celle-là, elle sert plutôt d'ouvreuse. C'est là où c'est intéressant pour nous. Parce qu'on arrive à cibler une deuxième voiture. Il en manque une. La voiture de sécurité, celle qui assure les arrières du cortège. Les policiers repèrent quelques minutes plus tard cette berline noire, elle aussi en plaque étrangère. Le convoi est au complet. Dans le hall, l'horaire d'arrivée correspond à ces individus descendus des derniers véhicules. Bon, ils étaient deux dans le véhicule qu'on les voit arriver tout à l'heure. Bon, pareil, hein. Bon touriste, mais sérieux, propre. Voilà. Ils mettent rien en évidence, hein. Ils sont... C'est intelligent, en fait, voilà. On voit rien sur l'extérieur. C'est pas les signes extérieurs de richesse. D'après les enquêteurs, ces faux touristes ne devaient pas transporter de drogue. Sinon, ils n'auraient pas pris le risque de laisser toute la nuit leur voiture sur le parking. Il pourrait donc s'agir des préparatifs d'un convoi qui part s'approvisionner. Et les soupçons des policiers vont se confirmer. Grâce à la vidéo, ils ont les visages des suspects. Et grâce à la réception, ils ont leur nom. Mais surprise, en recherchant dans le fichier des passeports, aucune trace. Ils ont donné des fausses identités. Des téléphones portables en pagaille. Des voyageurs qui camouflent leur nom. Des voitures de grosses cylindrées. Plus de doute, un GoFast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc. Reste à savoir quand il va remonter à Montpellier. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour les policiers. Car il n'y a pas plus dangereux à suivre et à intercepter qu'un convoi de GoFast. Christophe sait de quoi il parle. Il en a déjà 8 à son actif, rien que sur Montpellier. La suite de l'enquête ne va pas être de tout repos. Il suffit de suivre le policier à la fourrière de la ville pour s'en rendre compte. C'est là que sont stockées la plupart des voitures saisies par la brigade des stupes. Des véhicules de dur à cuire. Une fausse plaque remise dessus. Et la vraie plaque, en fait, ils n'ont pas eu le temps de l'enlever. Alors d'habitude, ils enlèvent celle d'en dessous quand même. Ils ont simplement riveté, percé, re-riveté dessus. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas movibles. Nous, c'est aussi un moyen de voir. Parce que s'ils mettent des plaques d'immatriculation qui tiennent avec des vis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ce sont des vrais rivets. Avec ces fausses plaques, impossible de remonter jusqu'au propriétaire. Et en cas de photo prise par un radar, ils ne risquent rien. Pour dissimuler la drogue, les trafiquants sont très inventifs. Christophe a failli ne jamais trouver la cache de cette berline. Celle-là, elle était aménagée. 11 kilos d'héroïne. On a procédé à l'interpellation l'année dernière. Dedans, on savait qu'il y avait un retour de produits. Et en fait, on n'arrivait pas à le trouver. Après 24 heures de fouilles, ils ont enfin percé le mystère. L'héroïne était camouflée entre la banquette et le coffre de la voiture. Juste ici, sous la plage arrière, suivant un ingénieux système. Et ils les avaient pendus avec des fils pour pouvoir le cacher, quoi. Mais il y a encore plus surprenant avec ce break. La cache est découpée en dessous, dans la partie basse du véhicule. Ils avaient emménagé une trappe. À l'intérieur de la trappe, ça fait un tunnel. Et à l'intérieur, ils avaient mis tous les pains d'héroïne avec de grands élastiques pour pouvoir les récupérer par la suite, pour pouvoir les tirer comme ça, en ouvrant la trappe comme ça, même là, on ne voyait rien du tout. Mais bon, notre chien a marqué fortement, on voit encore les traces des griffes. Le chien a vraiment marqué à cet endroit-là, donc bon, on s'est un peu plus inquiété, c'est comme ça qu'on a trouvé la plante. Là, par exemple, sur ce genre de véhicule, si vous voulez prendre en chasse poursuite. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas être trop au contact. On essaye, dans la mesure du possible, hein, de ne pas avoir de filature à faire juste avant l'interpellation là-dessus. Parce que là, avec ce véhicule-là, c'est super puissant. Bon, bah nous, avec nos véhicules, on ne pourra pas suivre. Et puis, on ne prendra pas les risques sans doute qu'ils vont prendre. Et puis, on ne va surtout pas faire prendre des risques aux gens autour de nous. Donc, on n'arrivera pas à les suivre. Trop dangereux pour les prendre en filature. Alors, comment Christophe va-t-il s'y prendre pour traquer le GoFast qui est parti de l'hôtel en direction de l'Espagne ou du Maroc et qui va bientôt revenir sur Montpellier? Les enquêteurs vont exploiter un élément qui trahit ces convois de stupéfiants, leur vitesse. Ils roulent à tombeau ouvert. Avec un peu de chance, les voitures de l'hôtel ont pu être flashées par des radars. Voilà l'astuce des policiers pour les tracer.
Thierry a donc communiqué les immatriculations des véhicules suspectés au centre qui reçoit toutes les photos des voitures flashées ces derniers jours. Et 48 heures plus tard, une des trois voitures a été repérée. Elle a bien été radarisée à un endroit stratégique, la frontière espagnole qu'elle a franchie à une vitesse folle. Il s'agit de la berline noire du parking de l'hôtel. C'est l'Audi qui roulait à 232 km/h. Donc là, il faut savoir qu'un GoFast, ça ne s'arrête jamais. Ça percute, ça passe, ou ça passe pas, mais ça tente toujours, ça force toujours le passage. Seul problème, si les radars permettent de retracer les itinéraires des GoFast, les policiers ont toujours un temps de retard sur eux. Toute la question est de savoir maintenant quand le convoi est parti de l'hôtel pour l'Espagne et quand il va remonter à Montpellier avec la drogue. Au commissariat, Christophe est persuadé que les 11 portables de travail des trafiquants n'ont pas livré tous leurs secrets. Il va donc passer des jours à les décrypter. Et au bout d'une semaine, ce téléphone va livrer une information capitale. Parmi les milliers de numéros reçus et enregistrés dans sa mémoire, aucun n'est identifiable, sauf un. Un seul petit appel qui va faire basculer l'enquête. Car le correspondant a commis une erreur, il l'a appelé de son mobile personnel. On a aussi réussi à identifier un des détenteurs du téléphone. Quelques petites erreurs de téléphonie qui ont été faites. Donc, erreur qu'on a réussi à trouver. Et ça nous a permis de remonter sur un des individus. Quoi. Le mystérieux correspondant est en fait une femme. C'est elle qui a commis l'erreur de téléphoner depuis son mobile personnel identifiable. Voilà pourquoi Christophe a retrouvé son numéro sur un des 11 portables. Et cette femme n'est pas n'importe qui. Elle est mariée à un individu de 33 ans, déjà fiché par les services de police pour braquage à l'explosif. En découvrant sa photo, Christophe fait tout de suite le rapprochement avec le suspect en t-shirt blanc, filmé à l'hôtel. Il tient enfin le nom du suspect numéro 1 et il va pouvoir le placer sur écoute si le magistrat qui suit l'enquête lui donne l'autorisation. Ça, ça. On aurait besoin de mettre une ligne sur écoute. On peut vous faxer le... Oh, c'est nickel. Gentil, merci. Au revoir. Christophe et Thierry vont pouvoir écouter l'homme au t-shirt blanc, mais mieux encore, suivre tous ses déplacements. Il n'y a plus qu'à attendre. Sur son ordinateur, il dispose d'un logiciel de géolocalisation. Quand le portable d'un trafiquant est allumé, il transmet aux antennes relais sa position en temps réel, comme un GPS. Les téléphones sur écoute sont alors identifiés par un petit logo jaune. Et subitement, le signal du portable de l'homme au t-shirt blanc réapparaît. Il vient d'être localisé dans une rue de Montpellier. Le trafiquant est donc de retour en ville. S'il a remonté de la drogue, Christophe doit mettre la main dessus avant qu'elle ne soit disséminée aux revendeurs. Bah, Christophe de Thierry, rue André René, en direction Paris. Ouais, suivi, hein, je suis en train de faire le tour là, pour essayer de passer devant. Au bout de la radio, c'est Thierry. Il est resté au commissariat pour guider Christophe. Devant son ordinateur, il suit la position du portable du trafiquant qui se déplace en voiture. Ah, j'ai fait toute l'avenue de Palavas, jusqu'en bas sur le rond-point près d'Arène. Pour l'instant, j'ai pas un titre. Ouais, ils sont dans mon dos alors, ils sont encore en haut. Ok, merci. L'intérêt, c'est d'avoir, c'est de faire les photos, essayer de voir un peu ce qu'ils font, quoi. Où ils tournent, dans quel endroit ils rentrent. Objectif, retrouver la cargaison le plus vite possible et sans se faire repérer. Pour l'instant, ça sert à rien d'être trop dessus, puisqu'on n'est pas en phase d'interpel, hein. On est juste en phase de surveillance. On reste en zone urbaine, donc c'est pas la peine de se faire voir, c'est pas le moment. Grâce aux indications de Thierry, Christophe retrouve enfin le véhicule. Surprise, c'est un 4x4, une voiture inconnue de la brigade jusqu'ici.
Ouais, de Christophe, hein. Je crois que j'ai la voiture, hein. Elle est posée dans le prolongement perpendiculaire Rabelais, en face de la rue Adolphe Mion. Pas de... à 0 km/h, donc elle bouge pas. Il n'y a personne au volant pour l'instant, je suis au rétro. Là. Ce qui l'intrigue, c'est qu'elle ne correspond pas à une des trois voitures repérées à l'hôtel. Les questions se bousculent dans sa tête. On l'avait sur les écoutes, on savait qu'il allait avoir quelque chose, qu'il allait avoir une remontée. Alors est-ce que là, il est en train de préparer, est-ce qu'il reprend les contacts, est-ce qu'il prépare un autre véhicule? Est-ce qu'il est en train de restructurer son équipe? C'est possible aussi. Donc, bah, à voir, c'est l'intérêt de le suivre. Ouais, Christophe de Thierry, toujours au même endroit. Ah ouais, ça bouge pas. Hein. Si la voiture repart, il le saura grâce à la géolocalisation du portable. Il décide donc de lever la surveillance. Et effectivement, le lendemain, le 4x4 n'est plus garé au même endroit. Le portable du trafiquant indique un immeuble résidentiel avec parking souterrain. Le chef des stupes décide de s'y rendre pour récupérer un maximum d'informations sur ce nouveau véhicule. Le 4x4 est bien là, tout au fond du parking. Christophe doit faire vite, car le trafiquant peut redescendre à tout moment. Comme il ne peut pas se fier aux plaques d'immatriculation, souvent fausses, il photographie le numéro de la vignette d'assurance. C'est l'unique chance pour lui de récupérer quelques indices sur le trafiquant. J'ai pris les références de l'assurance du véhicule. Peut-être qu'il y a plusieurs chauffeurs qui sont déclarés. Bon, ils s'en foutent. À mon avis, ils s'en moquent. Hein. À partir du moment où il y a une assurance, il y a une assurance. Mais bon, ce qu'on sait, nous, de manière certaine, c'est que ce qui est marqué sur la plaque d'immatriculation et les véritables utilisateurs du véhicule, ça n'a rien à voir. Donc peut-être que l'assurance, elle, au moins, elle est bonne. Donc, on va voir ça. De retour au commissariat, la priorité de Christophe, c'est donc d'appeler la compagnie d'assurance pour en savoir un peu plus sur le 4x4. Oui, bonjour madame, monsieur capitaine de police à la brigade des stupes à Montpellier. Je me permets de vous appeler, je cherche à avoir des renseignements à partir d'un numéro de contrat. J'ai noté le numéro 57, Q comme Québec. Pour vous, ça correspond à rien. Bon. Merci madame, au revoir. Chou blanc. Mais plus le 4x4 est mystérieux, plus l'appétit de Christophe est aiguisé. C'est un faux. Bon, de toute façon, c'est facile à faire hein, sur Internet. Une feuille verte et une impression, et puis voilà. Quoi. Ça montre que le véhicule et ils essayent de le maquiller, entre guillemets, le plus possible. En tout cas, le rendre le plus inerte, neutre possible. Quoi. Mais en même temps, moins le véhicule est en règle, et plus je suis content. Parce que plus le véhicule a de fortes chances de faire partie d'un convoi, quoi. À ce stade de l'enquête, Christophe a placé sous surveillance les trois voitures repérées à l'hôtel, plus le gros 4x4 du suspect numéro 1. Reste une question essentielle, une de ces voitures a-t-elle remonté du cannabis? Pour en savoir plus, les policiers misent tout sur les écoutes téléphoniques du suspect numéro 1, l'homme au t-shirt blanc identifié à l'hôtel. Ils veulent savoir s'il est en contact avec d'autres trafiquants de Montpellier, afin d'écouler un arrivage de stupéfiants. Les téléphones des dealers de la ville sont sous haute surveillance. Et trois jours plus tard, c'est Thierry qui intercepte une information au capital lors d'une conversation téléphonique. Voilà ce qu'il a appris. D'après ce qu'on a sur les interceptions, on sait que le produit est en attente ici pour être dispatché très rapidement. Notamment un client qui a appelé hier là, et qui, après palabre au téléphone, voudrait prendre... pratiquement toute la commande, quoi, tout ce qui était remonté. On serait sur une dizaine ou une quinzaine de sacs. Alors après, les sacs, on en a eu à 10 kilos, on a eu des sacs à 30 kilos, on ne sait pas exactement. Les policiers ont intercepté deux informations clés. Une grosse cargaison de 300 kilos de cannabis serait arrivée à Montpellier. Et pour tromper les enquêteurs, elle ne serait pas convoyée à bord des grosses cylindrées habituelles, mais dans une ou deux Peugeot 307 comme celle-ci, beaucoup plus discrète. Le problème pour Christophe, c'est donc de localiser ces véhicules. Il faut qu'on arrive à trouver les voitures, il faut qu'on arrive à trouver les points, et essayer de cibler les endroits où le produit peut être... parce que le produit est en attente, là.
Donc on va faire tous les points qu'on connaît hein, sur le dossier et on va tous se dispatcher, essayer de lever soit une voiture, soit un individu, soit... on va voir. Pour trouver la drogue, il réquisitionne toute la brigade. 15 policiers vont ratisser la ville. Christophe décide aussi de placer sous surveillance tous les quartiers connus pour écouler du cannabis. Il y en a 5, c'est peut-être dans l'un d'entre eux que la livraison va se dérouler. Sur celle-ci, rue ouais. Brindier, ouais. Okay. Et sur celle-ci au Petit Bar. D'accord. Bon, pour ça, en moto, ça, c'est passable. Ouais. C'est juste voir si tu lèves la caisse. Hein. D'accord. Lolo, Alex, est-ce que vous pouvez faire les vérifs? C'est juste un passage, hein. Rue Uppsala et rue de l'Aide. Et moi, je monte à Saint-Georges. Et surtout, Christophe va faire appel à ses indicateurs. Il en a dans toutes les cités sensibles, comme celle où il se rend cet après-midi. Ouais, c'est vraiment un petit village à la sortie de Montpellier. Donc en fait, là, c'est parfait, hein, pour venir. Pour venir se planquer, c'est vraiment nickel. Une résidence tranquille et à l'écart de la ville. D'après ses enquêtes passées, Christophe sait que des trafiquants louent régulièrement ici un petit appartement. Serait-il intéressé par la cargaison de cannabis? Le policier va inspecter l'immense parking pour voir s'il ne repère pas la Peugeot 307 qu'il recherche. Là, a priori, ils ne sont pas revenus ici. A priori, non. Aucune trace du véhicule. Alors, il décide d'aller interroger discrètement son informateur, un occupant de l'immeuble qui renseigne les policiers sur la présence des dealers. Pour le protéger, Christophe ne veut pas qu'on l'accompagne. Bonjour, comment allez-vous? Bien. C'était moi. J'ai une nouvelle, voir s'ils sont revenus. Alors, attendez-vous pas, ils ne sont plus dans l'appart. Depuis quand ils ont... Alors, depuis une semaine, une grosse semaine. Ils sont venus chercher leurs affaires. D'accord. Et ils sont partis. Rapido. Mauvaise pioche pour Christophe. Bam, bam. Ils ont rendu l'appart. La livraison ne se fera pas ici. Il faut donc cibler les autres quartiers. Elles peuvent être là-bas, elles peuvent être que là-bas. Elles seront bien cachées, elles seront tranquilles. Je pense que si les véhicules sont là et qu'on a un peu de monde, on fera des interpellations. En début de soirée, tous les policiers de la brigade sont en planque, dans 3 cités comme celle-ci. Seulement voilà. Si la brigade des stupes a ciblé des points de livraison, elle n'a aucune indication sur la date. L'attente peut être très longue. Mais 5 heures plus tard, vers 22 heures, au commissariat, les événements se précipitent. Christophe vient d'avoir l'information. Un policier en planque a vu débarquer la 307 Peugeot, accompagné d'une fourgonnette. 3 hommes ont déchargé plusieurs sacs, sûrement la fameuse cargaison. Si la drogue est arrivée, il faut surprendre la livraison en flagrant délit pour arrêter aussi bien les trafiquants que les revendeurs. Les collègues sur place ont vu un véhicule et nos objectifs aller au véhicule pour décharger de la marchandise. Il y a combien à peu près de produits? Je ne sais pas, entre 100 et 200 kilos, je ne sais pas. Ça représente beaucoup d'argent. Donc les éperons, ils vont pas avoir envie de le perdre non plus. Ça sera une double motivation pour eux pour pas se laisser interpeller. Après, est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce que. On sait pas. Hein. L'opération pourrait être très risquée. Les stupes vont devoir surveiller l'immeuble où se cachent les trafiquants. Pour être discret, Christophe s'y rend en sous-marin. Un camion banalisé. Que nous n'avons pas le droit de filmer de l'extérieur. Il va falloir couper, on arrive sur place. À son arrivée, Christophe récupère discrètement Laurent, son collègue. C'est lui qui a vu la 307 et les deux hommes décharger la marchandise. Il sait exactement où garer le camion pour que rien ne leur échappe. La 307, elle doit être par là. Par contre, il faudra faire gaffe, c'est parce qu'au 3-4e étage, il y a des mecs en permanence qui sortent fumer des clopes. Mais surtout, le policier a repéré un drôle de manège. La cargaison a été divisée en 2.
Une partie a été livrée dans cet immeuble, l'autre moitié chargée dans une fourgonnette blanche qui est repartie aussitôt. Le partage s'est fait un peu dans la panique. Sortez les ballots. Il y a plus de faire des catégories, ils s'en mêlaient, ils ne savaient pas lesquels il fallait prendre en premier. Postez-vous. Après, il était là. Et moi, j'étais caché dans la voiture. Il était tout près. Une partie des trafiquants est toujours dans l'immeuble. Ils attendent peut-être un gros revendeur qui viendrait s'approvisionner. La planque peut durer jusqu'au petit matin, alors Christophe organise les tours de garde. Je vais ramener l'autre voiture. Mm-hmm. Comme ça, tout le monde aura une caisse. Mm-hmm. Il restera la Zara pour les autres, quand ils vont arriver. Mm-hmm. Et comme ça, on fera des roulements sous moi pour aller dormir dans les bagnoles. Christophe part se positionner dans une autre voiture. C'est Laurent qui va diriger la surveillance depuis le fameux sous-marin. Pour tout observer sans être vu, il dispose de 6 caméras. Sur ses écrans, il peut suivre tous les déplacements sur le parking. Et il informe Christophe par téléphone à chaque mouvement suspect. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des jeunes qui passent et qui rentrent dans l'allée. On dirait que c'est toujours le même en plus. Pas bon signe. Ce pourraient être des guetteurs au service des dealers de la cité. Puis subitement, c'est l'alerte. La Peugeot 307 qui a acheminé la drogue jusqu'à Montpellier a filé à l'anglaise sous les yeux de Laurent. Il y a une 307 qui est partie, mais je ne sais pas si c'est la nôtre ou pas. Non. C'est bien lui qui est parti, c'est ce qui me semblait. Mais il est passé tellement vite que j'ai pas vu la plaque. Je ne sais pas s'ils font une autre, mais c'est pas bon. C'est une 307 qui est passée. Pour tenter de comprendre ce qui vient d'arriver, il appelle le commissariat. Les écoutes téléphoniques suivies en direct vont apporter aux policiers une très mauvaise nouvelle. Les dealers ont repéré des voitures banalisées en planque. D'accord, moi je vais les faire partir. Et nous dans la cuve, ils nous ont pas levé. Laurent, dans son sous-marin, n'a pas été démasqué. D'accord. Il prévient immédiatement Christophe. Vous, en sortant, il y a la 307 qui est sortie. Et ils ont eu un coup de chaud, enfin en partant. La 307 a donc quitté la cité parce que des guetteurs ont repéré le dispositif. La drogue est-elle toujours dans l'immeuble? Il faut passer à l'action. Les policiers signalent la 307 grise et la camionnette blanche à toutes les patrouilles. Premier rebondissement, le conducteur de la 307 est arrêté. Un personnage important, c'est lui qui aurait convoyé la drogue depuis l'Espagne. Il est ramené à la cité, où il est locataire d'un appartement. Pendant ce temps-là, Christophe est arrivé avec des renforts. Il veut immédiatement perquisitionner le logement du suspect. De grandes chances qu'une partie de la drogue s'y trouve, mais le conducteur refuse de donner les clés. Il va falloir passer en force. On laisse passer le chien. Avec Foul, qui est toujours de la partie. Personne dans l'appartement. Les policiers font monter le chauffeur de la voiture, mais il n'est toujours pas très coopératif. Christophe est persuadé qu'une partie de la drogue est cachée ici. Alors Foul, le chien renifleur, se donne à fond. Mais ni le chien ni les policiers ne trouvent la moindre trace suspecte. Et l'homme interpellé, toujours muet, ne semble pas disposé à les aider. Tendu, il est bien tendu, mais il n'y a rien. Mais il ne nous aidera pas, hein. De toute façon, c'est pas son intérêt. Les policiers retournent tout dans les chambres. Mais au bout de 20 minutes, il faut se rendre à l'évidence, rien dans l'appartement. Christophe va devoir élargir les recherches. Il y a une cave ou un autre appart? C'est sûr que c'est là, mais oui. Il va falloir s'attaquer à tout l'immeuble.
à commencer par les combles, qui pourraient servir de dépôt à la petite bande. Au même moment, une autre équipe part inspecter la cave. Avec le chauffeur, toujours muet comme une carpe. Toujours pas de cannabis, Christophe en perd son latin. On est certain qu'il n'est pas sorti, puisqu'à partir du moment où on l'a vu rentrer, donc si c'est pas au domicile, on ne trouve pas dans les caves, c'est peut-être chez quelqu'un qui connaît, hein. C'est ce qu'on appelle une nourrice, donc à nous de trouver. Ben. Si le chauffeur reste muet, le policier devra fouiller les 35 appartements de l'immeuble. Une opération exceptionnelle qui va faire du bruit et des mécontents parmi les locataires. Surtout s'il faut défoncer des portes. Pour que tout se fasse dans les règles, Christophe a besoin de l'autorisation du juge qui suit l'enquête. À cette heure tardive, le document est impossible à récupérer. L'opération de la dernière chance est donc remise à demain matin. L'immeuble va rester toute la nuit sous la surveillance d'une équipe de policiers. Au commissariat, la brigade pense qu'il y aurait encore un moyen d'éviter la perquisition des 35 appartements. Faire parler le chauffeur de la 307. C'est Laurent, le policier qui a planqué toute la nuit dans le sous-marin, qui est chargé de cette mission. Laurent espère débusquer des indices dans sa voiture. Et première trouvaille, des photos, dont celle-ci, montrant un jeune homme en train d'utiliser une mitraillette, peut-être un membre de la bande. Je n'ai pas dit que c'était toi, je te demande qui c'est. Tu comprends ? Je formule une question. Qui c'est ? Je ne sais pas. Voilà. Mais Laurent va faire une découverte bien plus intéressante. Voilà. L'objet est à peine caché sous le fauteuil. Ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une radio. C'est une radio. D'accord. Je ne pense pas que ce soit une radio. C'est à toi, ça ? Ouais. Ça, c'est à toi. Ouais. D'accord. Je garde. En reconnaissant que l'appareil lui appartient, le chauffeur de la 307 vient de commettre une première erreur. Et Laurent va le laisser s'enfoncer. Allez, va, arrêtons le cinéma. C'est une radio, c'est une radio. Alors, ça, c'est une radio, d'accord. Comment on écoute la radio là-dessus ? Je sais pas. C'est pour mieux capter la radio, ça. Non, c'est pas pour mieux capter la radio. Tu viens de me dire que c'est une radio. Ouais, c'est comme une radio. Donc, voilà, j'ai envie d'écouter la musique. Comment je fais là-dessus ? Ben, vous allumez la radio. Ça va... Et si j'allume la radio, ça va faire quoi ? Puisque la radio, elle passe directement par là. Ça, c'est pas une radio. Tu sais très bien ce que c'est. Je sais pas. Donc ça, je suis pas un technicien, mais je vais voir avec mes collègues, qui s'occupent de ça, mais je pense que c'est un brouilleur d'ondes. Que ce soit pour les téléphones portables ou autre chose, c'est pour brouiller les ondes qu'on puisse pas les repérer ou les enregistrer ou quoi que ce soit. Un brouilleur d'ondes pour bloquer la géolocalisation des téléphones portables. Un équipement high-tech prisé de tous les chauffeurs de GoFast. Mais le suspect ne craque toujours pas. Alors Laurent cherche d'autres indices, des stupéfiants cachés ou des documents compromettants. C'est alors qu'il tombe sur le contrat d'assurance de la voiture au nom d'un baron marocain de la drogue bien connu de la brigade des stupes. Le contrat d'assurance est au nom de l'objectif qui est au Maroc et qui dirige le trafic. Alors qu'il dit qu'il ne le connaît pas, bon ben c'est bête, il était dans son véhicule, c'est un bide noir sur blanc. Des indices accablants, mais Laurent n'obtiendra rien du conducteur sur l'endroit où est cachée la drogue. Il semble trop craindre les représailles. Alors cet après-midi, la petite cité va se retrouver dans l'œil du cyclone. Les policiers jouent leur dernière carte. Christophe va perquisitionner les 35 appartements de l'immeuble. Bonjour. Si certains propriétaires sont absents, Christophe est autorisé par le juge à forcer les portes. Je prends le premier, on se répartit. Vous vous répartissez dans les étages. Allez. Commence à taper aux portes pour voir s'il y a des gens qui sont là. Ceux qui sont là, eh ben, on leur dit, on fait. De toute façon, on fait tout. Étage par étage, chaque appartement est visité de fond en comble. Toujours en compagnie de Foule, l'indispensable chien renifleur. Porte après porte, une opération exceptionnelle, une première pour la brigade des stupes.
Et quand personne ne répond, un serrurier réquisitionné par la police entre en action à coups de chignol. Les policiers espèrent tomber sur une nourrice, c'est-à-dire un appartement anodin utilisé par les trafiquants pour planquer leur cargaison sans se faire repérer. Mais toujours rien. Le serrurier va forcer une dizaine de portes. Les locataires auront une drôle de surprise à leur retour. Mais comme le veut la loi, ils seront intégralement remboursés par le ministère de la Justice. Il n'y a personne. Hein. Et comme en fait, il n'y a pas grand monde, c'est monsieur. Mais bon, il y a son fils, mais il n'y a jamais personne. Après des heures de fouille, une dernière porte à ouvrir. Et il y a un petit problème. Ça, c'est blindé compliqué, il y a pour le moment. La chignole ne sert plus à grand-chose. Impossible d'entrer sans défoncer la porte. L'opération peut prendre des heures. Alors, pour éviter d'en arriver là, Christophe appelle le propriétaire. Est-ce que vous, vous disposez des clés, par exemple ? Alors, je vous explique, on est en train de faire les perquisitions dans tout le bâtiment. Donc, il faut qu'on rentre dans l'appartement de votre fils. Hein. Donc, je vous appelle parce que ça serait plus simple que si on avait les clés, si on pouvait avoir les clés pour rentrer. Faute de quoi, on a un serrurier avec nous, on va faire casser la porte. Sauf que comme elle est blindée, si vous voulez, ça va apporter beaucoup de dégâts. Donc, ouais, c'est ce qu'on vient de nous dire. Comme vous voulez, hein. Sinon nous on va casser la porte. Hein. Je vous avise, je vous appelle. Maintenant, si vous voulez pas venir avec les clés, on va casser la porte. Si. Ah ben on verra bien, hein. On est dans le cadre d'une affaire judiciaire. Donc il y a un moment ou un autre, la justice paiera, mais elle paiera quand elle voudra bien. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux avec les gens. Là on est. Il y en aura pour 1500 euros de réparation. Quoi. Vous serez remboursé, mais un jour, je vous dis, c'est la justice. Hein. Ok, merci, à tout de suite, monsieur, on vous attend. Merci bien, au revoir. Le propriétaire a cédé. Vous voulez pas venir ? Quand tu commences à parler du portefeuille, tout de suite, ça motive. Derrière cette porte, leur dernier espoir. Car dans les autres logements, les policiers n'ont trouvé aucune trace de drogue. Mais bon, apparemment, on ne trouve pas. Alors là, ils sont très forts. Parce que nous, on reste persuadés qu'il y a quelque chose ici. Quoi. Le chef de la brigade des stupes appelle alors le commissariat. Il espère encore que Laurent aura obtenu des aveux du chauffeur de la 307. Est-ce que vous avez pu en discuter deux minutes avec l'autre là ? Il est toujours pareil ou il dit tout. Hein ? Avec. Non, mais je sais bien, non, c'est juste pour savoir. Parce qu'on va, on va voir Finil ou sur place là. C'est juste s'il a quelque chose à nous dire sur l'appart. Ils ont regardé dans la 307, il y a un brouilleur de en dessous du siège. Alors. Un brouilleur, mais pas d'aveu. Entre-temps, le propriétaire de l'appartement à la porte blindée a ouvert aux policiers. Mais là encore, rien. Pour ici, c'est bon, il faut vérifier la terrasse. C'est réglé. Aucune trace des sacs dans le logement. Rien dans tout l'immeuble. Devant son commissaire venu spécialement pour l'opération, Christophe est pour le moins embarrassé. Mais ils ont vu décharger, donc là je comprends pas, je sais pas. Ou alors est-ce qu'après ils ont plus passé, je sais pas. Écoutez, là, Il faut se rendre à l'évidence, la drogue a dû ressortir de l'immeuble sans que les policiers en planque cette nuit ne s'en rendent compte. On peut toujours avoir un loupé, hein. Peut-être qu'il nous est passé sous le nez sans qu'on le voie, mais enfin, vu la quantité, ça me paraît difficile. D'autant que vraiment, on est resté sur place tout le long, on ne voit pas comment il a pu s'évaporer. Quoi. Mais le lendemain matin, dans les couloirs du commissariat, l'ambiance est au beau fixe. Fred, ça te dérange pas, tu peux aller chercher le mec, nous attendre à la voiture, on descend tous. Il est avec toi, Fedon. Une bonne surprise attend les enquêteurs sur le parking de l'hôtel de police. C'est dans la camionnette. Ouais. Une patrouille a enfin retrouvé la fameuse camionnette blanche, celle qui a emporté une partie de la cargaison.
Alors, je vais voir sa tête. Leur suspect n'a toujours rien avoué. Ils espèrent enfin le faire craquer devant la camionnette. On t'explique maintenant, tu vois. On va arrêter de jouer comme des enfants. On n'est pas à la maternelle ni au lycée. On t'explique, tu me regardes quand je te parle. Ton écoré, t'en regardes les gens. Je t'explique. Il y a des fonctionnaires de police, tu me regardes. Mais je regarde. Non, toi tu tournes la tête, tu me regardes pas. Il y a des fonctionnaires de police qui étaient à ton cul quand t'as déchargé de là-dedans. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non. Nous on le sait, on était là. Si tu veux mentir, mens. Il n'y a pas de problème. Maintenant on va regarder ce qu'il y a dedans. Tu veux fermer ta gueule, faire le beau. Si on trouve du produit, tu me regardes. C'est toi qui passes pour la tête de ponce. Et on va t'envoyer en détention à Bordeaux. T'as bien compris, ta famille ici, fini. À Bordeaux. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Soit t'es correct, soit tu joues au malin. Tu joues au malin, tu vas perdre. Le produit qu'il y a là, c'est pour ta gueule. Tu peux dire non. D'accord, c'est pas à toi, on sait bien. Maintenant, la seule chose, moi je vais l'écrire, c'est toi. T'as bien compris? Puisque tu mens depuis hier, nous on t'a vu sortir du camion, le produit ça sera à toi. C'est pas grave. Tu peux me dire ce que tu veux, comme tu mens. Tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule. Écoute-moi, tu mens parce que... Si, ça lui. Tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule, tu nous l'as dit, nous on t'a vu en descendre. Tu mens parce que tu dis t'as pas sorti de sac, nous on t'a vu le faire. Alors t'as beau me dire que ça c'est pas à toi, je te dis moi tu mens. Le chauffeur semble déstabilisé. Alors Christophe espère lui donner le coup de grâce en déchargeant la drogue. A priori là, pour l'instant, tu pourras refaire passer le chien dedans au cas où, s'il y a d'autres produits, et après on fera l'habitacle aussi. Une, deux, allez, 3, 4, 5, c'est un kilo, un kilo. Bon là, il y a 11 sacs à peu près à les prendre à la main, on a entre 20 et 30 kilos par sac, à peu près. Donc on a entre 200 et 300 kilos, faut qu'on regarde en détail. Près de 300 kilos de drogue, un record pour la brigade des stupes. Et en plus, c'est du cannabis très recherché par les dealers. Il est identifié par une sorte de label. C'est les AMG, ça? C'est du AMG, oui. Ça permet de, comment dire, d'identifier le produit et d'identifier la provenance, en fait. Et eux, ça leur sert parce qu'en temps, par exemple, ils vendent de l'AMG, ça vient d'un certain secteur au Maroc. Et en fait, les gens qui en prennent savent que c'est une certaine qualité de produit. On sait ça, c'est de la très bonne qualité, en fait. C'est ce qu'ils appellent le seum, en fait. C'est vraiment du très, très bon produit. Si la marchandise était arrivée à bon port, les trafiquants auraient touché le pactole. Avec ses 11 sacs, la bande aurait engrangé un bénéfice net de 250 000 euros en un seul trajet. Mais non, il va y arriver. On dirait que tu fais les courses à la maison, regarde. Reste à dénicher l'autre moitié de la cargaison, celle que Foule n'a pas reniflée dans l'immeuble. Pour cela, Laurent décide de confronter le conducteur de la 307 à tous les éléments que les policiers ont accumulés au cours de l'enquête. Je ne me rappelle plus. C'est ça? La 307, à qui elle appartient? C'est un ami. C'est qui cet ami? C'est un ami qui... Une amie. Une amie? Ouais. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est un ami, tu ne sais plus. Prends une voiture. Tu n'es pas laissé m'appeler, hein? Vous savez comment ça marche, m'appeler? Non, ça marche pas comme ça. Quand on prête une voiture à quelqu'un, en général, on sait à qui on l'emprunte. Non? Tu crois pas? Quand est-ce que tu lui as emprunté? Je me rappelle. Bon, tu te rappelles pas de grand-chose, hein? On est mal barré, hein? Il nie en bloc, même si les policiers ont retrouvé sur lui la clé de contact de la 307, mais aussi de la fameuse fourgonnette chargée de drogue. Je t'explique. Tu as une clé dans ta poche. Cette clé, c'est la clé du Ford Transit. On l'ouvre et dedans, il y a 258 kg de résine de cannabis. Explique-toi là-dessus. Je suis choqué. Tu es choqué? Moi aussi. Ça m'a choqué quand je vois le véhicule. Tu es choqué, d'accord. Toi, on te laisse... C'est fantastique, on te laisse des voitures, mais tu connais pas les gens. C'est extraordinaire. Malgré des heures d'interrogatoire, il n'avouera rien. La brigade des stupes est toujours à la recherche de l'autre moitié de la cargaison dans les rues de Montpellier. Les policiers savent que le cannabis finira par réapparaître entre les mains des consommateurs habituels. Une nouvelle enquête commencera alors pour remonter jusqu'aux revendeurs.